こんにちは。ダミアン、元気かな？皆さん、こんにちBonjour, Damien. は。Bonjour à tous. 私、尾崎哲也と申します。今日は、ダミアン・ジャレさんをお招きして、今回、京都グラフィーに参加している、作品、ブリーズ・ラームについて、たっぷり話を伺いたいと思います。Je m'appelle Ozaki Tezia et je suis très, très, très content d'accueillir aujourd'hui Damien Jallet et surtout de présenter à nos audiences sa représentation intitulée Brise l'âme. 簡単ですが、皆さんご存知だと思いますけれども、ダミアンさんについてご紹介したいと思います。ダミアンさん、国際的に活躍していらっしゃる振付家です。で、私と最初に会ったのは2013年の愛知トリエンナーレでのことでした。Je voudrais présenter Damien Jallet très simplement. D'abord, c'est en 2013, j'ai rencontré pour la première fois Damien Jallet lors de Triennale Haïti. 私はその時、愛知トリエンナーレの舞台芸術の総合統括プロデューサーだったんですけれども、その時にダミアンさんは、パフォーマーとしてある作品に参加してくださいました。À l'époque, j'étais le producteur général d'art. Alors que Damien y participait comme un performeur dans une représentation. もう本当に素晴らしい作品で、キレキレの、ダンスを見せてくれたんですけれども、C'était superbe et j'ai assisté à une danse extraordinaire de Damien à l'époque. で、その時に同じトリエンナーレにビジュアルアートの方に、京都在住のアーティスト、彫刻家の縄晃平さんが参加していました。Et à cette même exposition, il y avait aussi Nawa Kohei, l'artiste visuel. で、ダミアンさんに、縄さんの作品を見ることを勧めたところ、ものすごく気に入って、ですぐに、ダミアンさんは、縄さんに会いに行くことになったんです。Donc, à ce moment-là, j'ai recommandé à Damien d'aller voir les œuvres de Nawa Kohei et il les a vues et ils ont adoré et il a contacté Nawa Kohei à cette époque. で、京都でも上演されたんで、ご存知の方が多いんじゃないかと思いますけれども、ダミアン・ジャレさんと縄晃平さんは、ベッセルという作品を、2016年でしたっけね、数年前にお作りになりました。Peut-être certaines personnes ont déjà vu, mais il a créé avec en collaboration de Nawa Kohei la pièce Vaisselle en 2016. 16, peut-être? C'est ça? Oui. 2016, premier. 2016, OK. La deuxième fois. On a fait une première version en 2015. そうですね。2回やりました。で、今回ですね、今日はもちろんブリーズラムの話を伺うんですけれども、実は、ダミアンさんはその縄さんとのコラボレーションの2作目にあたる作品、「プラネット・ワンダラー」という作品を世界初演されたばかりです。Aujourd'hui, dans ce talk, je vais me concentrer sur Brise l'âme. Mais en fait, Damien a bien de jouer son œuvre Planète Wanda, dont la première mondiale a été jouée justement le mois dernier. で、この作品、来年の4月に、COVID のために一旦延期されたんですが、来年の4月に京都で、も上演されることが決まっています。Malheureusement, il a été annulé et reporté une fois, mais il est prévu que la pièce soit représentée au Home Theater Kyoto en avril prochain. で、本当はこの作品についてもお話を伺いたいところなんですが、今日はブリーズ・ラームの話に絞りたいと思います。J'aimerais aussi discuter de ce travail, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur Brise l'âme. でも一言だけ、ダミアン、本当に、プラネット・ワンダラーの大成功、おめでとうございます。Je veux juste ajouter un mot et toutes mes félicitations pour le grand succès de la planète Wanda. はい。ありがとうございます。ダミアンさんは日本にも何度も来ているので、実は少し日本語喋れたりします。Damien est en fait venu plusieurs fois au Japon, donc il peut parler un petit peu le japonais. それでブリーズラームについて早速伺いたいと思うんですけれども、この作品は、ロペラ・ドゥ・パリ、パリ・オペラ座の移植作品ですね。つまり、オペラ座に頼まれて作られた作品です。
Donc, on va maintenant discuter sur Brise-l'âme. En fait, cette pièce, Brise-l'âme, est une commande de l'Opéra de Paris. で、ダミアンさんはですね、その前に2013年ですかね、現代アーティストのマリーナ・アブラモビッチさんが舞台美術を担当した、ボレロという名作がありますけれども、これをもう、名優と言っていいと思いますが、シディ・ラルビ・シェルカウイさんという振付家と2人で共同振付しています。En 2013, Damien a co-mis en scène Boléro avec Sidi Larbi Cherkaoui et l'artiste contemporaine Maria Abramovic. Marina. で、この作品も本当に素晴らしいんですが、まず最初に伺いたいのは、オペラ座のバレエダンサーたちをどのように評価していますか？ Et la première question. Comment évaluez-vous les danseurs de l'opéra?Comment je les évalue, vous voulez dire? Comment je... Tu peux répéter la question? Comment évaluez-vous, comment pensez-vous des danseurs de l'opéra? Alors, en effet, c'était la troisième fois que je travaillais avec eux. Et bon, ça reste, c'est des danseurs qui sont absolument incroyables dans Enfin, c'est une école avec c'est d'abord une école, l'Opéra de Paris, avant même d'être une compagnie. C'est des danseurs qui sont, et en particulier aussi les danseurs que Aurélie Dupont avait choisi pour cette création. C'est des danseurs extraordinaires. Ils sont déjà des experts d'une technique qui est une des plus complexes au monde. Mais en plus de ça, ils sont régulièrement, ils ont le challenge de voir. Se lancer souvent dans des créations de chorégraphes contemporains qui sont à chaque fois une réinvention du corps et une pratique qui est parfois extrêmement différente de celle qu'ils ont l'habitude et pour laquelle ils ont été entraînés. はい。今作で3回目に、オペラ座、バレエ団と仕事をするのは3回目になるんですが、まずオペラ座バレエ団は非常に完成された素晴らしい技術を持っています。もともと学校で今はこういう劇場のカンパニーとして、仕事をしていますが、今作、に及んで、やはりパリ、バレエ団は非常に専門的な技術に秀でた集団だと思っています。私のような非常に挑戦的な作品、特に従来のバレエのような伝統的な動作にこだわらない作品においても非常に柔軟に対応してくれる非常に素晴らしい団体です。で、ところが、残念なことに、この作品は世界初演の5日前に、フランスが2度目のロックダウンに入ったために上演が中止されてしまいました。で、当然ものすごく無念だったと思うんですけれども、上演が中止になった代わりに映像作品が作られ、それを今回我々は京都グラフィーで見にしてるんですけれども、その時の無念さ、それから映像作品の出来についてはどう評価されてますか？Malheureusement, Brise-l'âme a été annulé en raison d'un deuxième confinement en France, 5 jours avant la première mondiale. Mais en revanche, cette pièce a été filmée puis représentée dans cet événement Kyotography. Et la deuxième question, qu'avez-vous pensé à ce moment-là? Qu'avez-vous ressenti lors du confinement lorsque la pièce a été annulée? Et que pensez-vous du travail vidéo? En fait, je pense avant même de pouvoir parler de comment est-ce qu'on l'a filmé et dans quelles conditions, je pense que c'est important de parler des conditions dans lesquelles on l'a fait, c'est-à-dire, en général, quand on travaille pour l'Opéra de Paris, on vous contacte au moins 2 ans à l'avance pour faire un projet. Et donc c'est toujours quelque chose qui demande énormément de préparation. C'est une grande scène, c'est un lieu extrêmement central et important en France. Donc c'est toujours quelque chose quand on vous demande de faire une création à l'Opéra de Paris. Moi je me rappelle que quand on a fait le Boléro, ça nous a pris beaucoup de temps et de trouver l'équipe artistique. Donc en particulier avec Marina, avec quelle personne va l'éclairer. Et puis surtout, quel concept et sur quoi est-ce qu'on part? Dans ce cas-ci, moi, j'avais déjà un mois de septembre qui était prévu pour qu'on joue Planète Wanderer à Paris. Et en fait, à cause du premier confinement,
Tous les spectacles ont été annulés, dont Vaisselle, dont le dernier, on jouait Vaisselle en particulier à l'opéra, au Palais de Chaillot, en face de la Tour Eiffel. Et en fait, le dernier spectacle ne s'est pas passé parce que le pays est rentré dans un lockdown, le tout premier. Et en fait, il s'est avéré que toute la saison suivante a failli être compromise et que du coup, l'opéra a pratiquement annulé toutes ses productions. Et c'est de là que l'idée d'Aurélie Dupont de faire cette soirée est venue. Je vous laisse traduire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. まず今回のビデオ動向について説明するために一番非常に大切な条件についてお話しすると、オペザっていうのは非常に忙しいところなので、2年以上前にしたいプロジェクトについてコンタクトしなければならないんです。ご存知のようにオペラ座というのはパリの中心的な劇場ですので、その作品のプロジェクトを提示して実際に実現するのは非常に骨の折れる仕事です。今でも僕が覚えているのはボレロをした時にオペラ座にコンタクトしてマリーナと仕事をして他にどの人と仕事をするか非常に悩みました。そういったコンセプト作りが非常にこの作品作りでは大切なんです。そして今回においては9月にプラネットワンダラを上演しようとしたんですが、すでに1度目のロックダウンの時にベセル、シャイヨー級劇場で予定していたベセルも含めてあらゆるイベントがキャンセルになりました。こういった状況がほぼ全シーズン続いたんですが、しかしこんな風に今回のプラネットも同じように全キャンセルしてしまうのは非常に悔しい、もったいないということでこのような流れになりました。donc Aurélie j'ai reçu un coup de téléphone d'elle genre au mois d'avril, fin avril, non en mai en fait, qui me dit voilà, on annule toute la première partie de la saison, la saison ne reprend qu'au mois de décembre ou janvier dans les plans qu'ils avaient, mais j'aimerais garder la compagnie active et j'aimerais, la décision qui a été prise, c'est que la scène principale de Garnier va être du coup rénovée. Et mon envie, c'est parce qu'ils vont organiser, continuent d'organiser des concerts devant le rideau de fer sur une scène qui va être construite au-dessus de l'orchestre jusqu'au troisième rang. Donc des concerts vont être organisés et moi j'ai envie, donc il y aura des spectacles qui reprendront des solos et des duos du répertoire classique, mais j'ai aussi envie de faire de la création. Et donc, est-ce que tu serais OK de faire partie d'une soirée contemporaine où tu présenterais une pièce sur un espace réduit, avec des possibilités techniques extrêmement réduites, avec pratiquement aucun élément scénographique, et éventuellement des costumes qui seraient des choses qu'on reprendrait, qu'on trouverait dans les malles de l'Opéra de Paris. Donc ça, c'était la demande. Je vous laisse aussi le traduire. 今回の作品制作にあたっては、まずオペラ座のオレリーから5月頃に打診を受けました。芸術監督ですね、オレリー・デュポンさん。オレリー・デュポンさんという芸術監督から決定を知らされたんですが、オペラ座の決定では、今回1月から全てのイベントは、催しはキャンセルになると。しかしその間、オペラ座は舞台、および一部を改装することを決定しました。そこで私に話があったのは、オペラ座のステージのドンチョウの前にスペースを作るので、そのいわゆるオーケストラピットに当たる部分で何か作品を作ってくれないかということでした。そのスペースは非常に狭く、だいたい客席の3列目ぐらいまでのスペースなのですが、ソロでもデュオ作品でもいいが、しかしどうせなら私はやはり現代作品をその場で作りたいと思いました。しかしこういう難しい状況なので、経済的あるいは技術的な問題が非常にあり、例えば舞台美術をつけることができませんでした。しかし、そういった難しい状況で中にあいて、このような作品を完成させることができました。Et donc, c'est extrêmement différent pour un endroit qui est aussi exposé, je dirais aussi central, de venir avec, de créer en si peu de temps un spectacle, de réunir une équipe artistique, de venir avec une proposition, un concept. C'était, il y avait environ, donc c'était mai, il y avait en fait 3 mois. Avant de commencer la création au mois de septembre. Donc c'était une demande qui était quand même, c'était un peu genre vraiment très très dernière minute et
que je trouvais en même temps très très belle parce que c'était comme une manière de, on dit en français, d'aller contre vents et marées, ce qui faisait d'autant plus sens avec ces vagues épidémiques et qui commençaient, donc auxquelles on avait l'impression que tout le monde tout d'un coup était scotché, comme on l'est toujours d'ailleurs, au nombre de contaminations par jour, etc., pour savoir quelles sont les mesures, comment elles vont se resserrer ou s'ouvrir. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez beau dans cet acte de vouloir faire quelque chose malgré tout, et de faire quelque chose dans un endroit aussi prestigieux, je dirais, mais qui est en même temps toujours un peu une bulle, qui conserve des pièces au travers les siècles, qui semble parfois, quand on rentre dans l'opéra, même quand on voit des spectacles, on a l'impression de voyager un peu dans le temps. Donc je trouvais que c'était un contexte intéressant aussi pour une chose, c'est que mon expérience de travailler là-bas, c'est que en général, donc il y a un orchestre, quand on est à Garnier, pour ceux qui y sont, il y a donc la salle, puis il y a un orchestre, donc un grand trou, et donc ensuite il y a encore un proscenium, et ensuite il y a la scène. Donc une personne au premier rang sera facilement entre 8 à 10 mètres au plus près des danseurs. Dans ce cas-ci, et ce qui était un peu paradoxal avec une crise qui nous parlait de distanciation sociale et de distance, on se retrouve à avoir le danseur à 1,5 mètre du premier rang. Donc vraiment, littéralement, pratiquement sur les genoux. Et je trouvais que c'était un contexte qui n'avait jamais vraiment été exploré, et surtout avec des danseurs qui sont vraiment souvent magnifiés et très hiérarchisés. Et qu'il y avait une autre chose que j'aimais dans le projet, c'était que depuis 2 ans, même pendant la crise sanitaire, chaque danseur a fait des vidéos pour le personnel soignant, que quelques mois avant le début de la crise du corona, en fait, il y a eu des grèves et que les danseurs ont dansé le lac des cygnes dans la rue au milieu des défilés sociaux. Et je me disais qu'il y avait quand même quelque chose qui, malgré tout, l'opéra devenait poreux aux problèmes du monde et à des choses qui sont... et que dans ce cas-ci, encore une fois, il subissait de plein fouet quelque chose dont on pouvait finalement, dont les murs ne pouvaient pas se protéger. で、このお話をオレリさんからいただいたのが5月のことなので、9月に実現しようと思ったら実質 3ヶ月ぐらいの時間しかなく、非常にタイミングとしては差し迫ったものがありました。そこから中心となるコンセプトを作り上げてっていうのは、非常にタイミング的にはハードな仕事でした。しかし、よくフランス語でも言うんですが、逆風が向いたらそれに向かって進めというように、これは考えてみれば非常にありがたいチャンスだなと自分にとっては思いました。外に出られないで家に閉じこもっていないといけない人たち、日々日々上がる陽性者の数、そしてなかなか効果を上げないコロナ対策など、非常に世の中難しい状況がある中で、これは私に素晴らしいチャンスが巡ってきたなと考え直したんです。実際、オペラ座というのは何世紀もそこにある非常に由緒正しい場所で、そこで仕事をしている僕のような人間にとっては、この状況は非常にありがたいものでした。今回のことで言うと、オーケストラピットがあるということは、そこに非常に大きな穴があるんですが、そこに舞台を設けるというのは、今までには決して初めてと言っても過言でない非常に類を見ない試みです。実際そこには 8×10 メーターぐらいのスペースになるんですが、例えば一番最前列で見ているお客さんからしたら、膝の前で演者がダンスをしているように非常に近い距離でダンサーと触れ合えるわけです。これは今ソーシャルディスタンスというふうに距離を取らないといけないよと言われている現在においては、ある意味皮肉かもしれないんですが、非常に近い距離でオペラ座で演者を見れる。だいたい最前列から 1.5 メートルぐらいの距離で見れるっていうのは非常に珍しいチャレンジだと思いました。実際このコロナが始まって2年以来、私は数々の医療従事者が働く姿のドキュメンタリーを見てきました。あるいはこの非常に困難な状況であらゆる人が仕事を失い、
特に私の仕事に関して言えば、たくさんのダンサーが仕事を失い、あるいはストライキの列に参加したりしていました。こういう非常に困難な状況で、歴史あるオペラ座も、今はオペラ座さえも世界に開けて何か行動を起こさないといけない。そういう考えから今回の作品を進め始めました。Donc, d'une certaine manière, créé dans ce contexte-ci, avec quelque chose qui serait une création due à cause d'une crise majeure qui traverse le monde, et de continuer, et que dans ce cas-là, en fait, une institution comme l'Opéra de Paris pouvait continuer à essayer de faire des choses, en tout cas, elle avait la volonté, un peu comme un bateau sur la mer qui tangue très fort. En fait, ça m'a pris au moins 2 semaines avant de donner une réponse à Aurélie. Et je lui ai dit, OK, faisons-le. Et donc, tout de suite, branle-bas de combat, se mettre sur qui le fait. Parce qu'au départ, elle voulait que je le fasse avec un autre pianiste. Elle voulait de la musique live. Et en fait, bon, moi, j'avais eu cette expérience de préparation de Planet Wanderer avec Kohei quand on était à Ishinomaki. On a fait un workshop de recherche. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment commencé à rencontrer Koki Nakano, qui est donc un musicien, un formidable musicien et pianiste japonais qui est installé à Paris depuis un bout de temps et qui, en fait, m'avait fait l'annonce qu'il avait commencé à aimer la danse quand, en fait, il avait vu Boléro à l'Opéra de Paris et que c'était quelque chose qui, en tout cas, que ça lui avait vraiment envie de donner envie de commencer à écrire pour la danse et de faire des pièces. Et il avait fait un album récemment qui s'appelle Pre-Choreographed, qui est un album où il nous a invités par la suite avec Emilios. C'était genre la dernière chose qu'on a fait avec le confinement, où il fallait choisir une de ses musiques et chorégraphier dessus. C'est ça, comme ça qu'on a fait Train Train, un film qu'on a fait avec Benjamin Serossi, qu'on a filmé dans un building désaffecté, qui était un peu une référence à Dodeskaden de Kurosawa. Enfin, en tout cas, j'avais vraiment envie de collaborer avec lui, surtout que je sais que, voilà, en général, quand je fais une pièce, et récemment, même dans les 10 dernières années, c'est vraiment possible d'avoir des collaborateurs qui sont très loin, grâce à Internet. Et dans ce cas-ci, en fait, même si Internet continue à fonctionner, paradoxalement, j'ai travaillé avec des artistes qui étaient principalement en France et à Paris. 先ほど言ったような流れの中で、今回の作品を進めることになったんですが、この COVID という難しい中、オペラ座という海の中を力強く進む船のような作品を作りたいと思いました。しかし、やはりこういった状況ですので、例えば、一体誰がやるんだ？あるいは誰がピアニストになってくれるんだ？こういうミュージックライブのような作品を作りたいけれども、人選はどうしたらいいんだろう？そういうところが非常に難しかったです。特に私はその横でプラネットワンダラーの準備もありましたし、そこで私に思いついたのが、浩平と、以前参加した石巻の、アートフェスティバルの 時です。その時彼に紹介してもらった中野幸喜という日本人の音楽家、そしてピアニストがいるんですが、今画面に映ってる人ですね。彼に話を聞いたところ、実際にボレロをオペラ座で見てくれた。そしてこういった舞台や、ダンスについても非常に興味が湧いてきたという話をしてくれました。実際に、そのアルバム作りも始めていらっしゃって、その作品の中で私とエミリオスが実際に仕事をさせていただきました。あるいは今回の作品を映像に撮ろうと言った時に、私のすぐ近くに仕事をしているバンジャマンという人がいてくれて、実際に黒澤明の監督の映画にインスピレーションを受けて以前にも作品を作ったんですが、こういった不思議なことに私の周りに作品を作るために必要な人間が日本あるいはパリにいてくれたことは非常にラッキーでした。Dans cette vidéo, il y avait aussi Emilio Sarapoglu, qui était aussi dans Vaisselle, qui me suit, qui est mon partenaire dans absolument tous les projets que j'ai pu faire, qui est vraiment mon inspiration principale, qui m'a accompagné
pour cette création. Et en fait, une chose que je n'ai pas dit sur les danseurs de l'Opéra de Paris, c'est que leur méthode, en général, moi, quand je travaille avec des danseurs, j'aime bien les stimuler leur créativité, de les faire de l'autre. Je ne suis pas quelqu'un qui montre des pas en général, c'est plus une manière de placer les gens dans des contextes, dans des demandes, de travailler à partir de l'imitation. Et je suis très intéressé de la différence entre chaque danseur, de comment est-ce qu'ils vont s'approprier une limite particulière ou une task particulière. Et avec l'Opéra de Paris, c'est une manière plus traditionnelle. Il faut être beaucoup plus dans la transmission, il faut beaucoup plus avoir... presque venir avec les pas, avec les mouvements, et puis les guider, en fait, parce que c'est tellement un monde qui ne... Enfin, c'est un vocabulaire qui est très, très nouveau pour eux. Donc, Emilio, ça a été un peu la matrice, je vais dire, de tous les mouvements de Brislam qu'on a développés. Donc, lui aussi faisait partie de l'équipe, et donc, il y a eu JR, qui était... qui est un peu mon partner in crime là-dessus, parce que pour moi, même si la demande était de faire quelque chose sans éléments scénographiques, si vous connaissez un peu le travail que je développe, en général, il y a toujours un dispositif qui est assez contraignant, souvent pour les danseurs, ou en tout cas qui propose presque à chaque fois un nouveau rapport à la réalité. Et j'avais quand même envie que ce soit pas... qui est quand même quelque chose qui soit défini au niveau de l'identité du visuel et la recherche plastique sur le spectacle. Et j'avais rencontré JR dans un drôle, c'était à l'anniversaire de Madonna, parce que j'avais travaillé avec elle à New York l'été d'avant. Et en fait, on a immédiatement sympathisé. Et je me suis dit qu'il avait déjà travaillé avec l'Opéra de Paris. Je crois que dans une situation normale, ça me serait pas venu à l'idée de vouloir collaborer avec lui, même si j'aime beaucoup son travail, mais je pense que c'est assez, même pas forcément. Il y a quelque chose de, enfin, déjà c'est beaucoup sur quelque chose d'assez visuel, d'assez. Il travaille beaucoup avec la photo, avec des anamorphoses, et j'aime. Travailler aussi sur la métamorphose. Donc, on s'est vraiment trouvé là-dessus. Et je lui ai dit, voilà, il y a ça qui arrive. J'imagine que tous tes plans aussi sont un peu perturbés. Est-ce que ça te dit de faire quelque chose en si peu de temps, avec relativement peu de moyens et aussi, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va à l'encontre du monde constamment. Son travail n'est que son travail est dans la rue, souvent, la plupart du temps. Donc je me suis dit que c'était pour parler de cette porosité, que surtout cette idée qu'il y avait ce grand mur de fer devant lequel on allait jouer et que son travail sera beaucoup sur le mureau, je trouvais que c'était une belle idée de l'inviter. Il a dit oui tout de suite et puis bon, donc j'avais une équipe. Il a fallu trouver le thème. J'ai décidé de parler de le front line, de la ligne de front dont on parlait constamment, parce que c'était aussi ça. Aurélie Dupont me proposait à l'époque de faire plutôt un duo ou un trio, et moi je disais, je crois que je veux vraiment faire une pièce de groupe, parce que je pense que même sur un espace aussi proche et même si c'est pas conseillé, je pense qu'une pièce de groupe aura un impact en fait dans cette proximité, et surtout aussi parce que en général quand j'ai qu'une idée à la fois, et que c'était cette idée que j'avais et qui était un peu déjà aussi une préparation à Planète pour moi. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Je vais vous laisser traduire. Et puis après, je réponds à la question sur comment je me suis senti quand le lockdown est arrivé. ということで、まず最初、エミリオ氏と非常に長い間パートナーと共同活動しているんですけれども、エミリオス、エミリオス、数々の作品で一緒に仕事をしているんですが、彼とまず一からインスピレーションを育て上げようという時点からスタートしました。で、オペラ座のダンサーたちにはこれは言わなかったことなんですけれども、
まずこういったコンセプトっていうのは最初から私は言おうとしないで、彼らにも動きを通して想像力を働かせてほしいので、ぜひ彼らの踊りやパフォーマンスから今回の作品を一緒に作り上げていきたいと思いました。最初から限界や境界線を決めないで、それぞれにある種タスク、課題を与えることでいい作品を作り上げようとしていました。例えばバレエダンサーというのはパッと言われるようなステップだとか、あるいは長年、教えられてきた伝統的な動作、振り付けがありますけれども、そういったある種語彙、ボキャブラリー的なものは境界線を超える作品を作る上ではある意味邪魔なんですね。なので今回エミリオスにお願いしたのは、まず僕のイメージするマトリックス、世界をダンサーたちに伝えてほしい、そういったところからブリーズラームを一から作り上げようとしました。そしてもう一人の重要なパートナー、 JR についてなんですが、彼はまず私の今では大切な仕事パートナーの一人で、彼に今回舞台美術を担当してもらうことを決めました。で、 JR は、特にダンサーという仕事については、まず JR 自身は彼は自分の作品を現代とどうにかしてつなげようとしているんだけれども、やはりダンサーに対してつなげるというのはまだまだその彼の専門領域ではないと思うんですね。で、彼とまあ最初に会ったのは、まず私はマドンナの、ニューヨークの、マダム X、コンサートについて仕事をしました。その頃に JR とも会ったんですけれども、その前年の夏の頃でした。で、彼に、お願いしたのは、今回の作品はまずあらゆるものが絶えず変形していくような作品をしたい。だけれどもこういう状況なので時間もない、お金もない、でも JR っていうのは今や世界を代表するようなアーティストなんです。彼にこういったお願いをするのは非常にある意味忍びなかったですけれども、やはり初心に帰って一から作るという意味で彼にお願いしました。特に今回の条件として面白いのは、オペラ座のドンチョウの前に舞台を作って、その小さい舞台の前でやる、ここで何ができるのかって JR にまずテーマを見つけないといけないと言って、まず彼にそのテーマを探すということをお願いしました。特に極めてフロントライン、最初はジオかトリオのようなこじんまりとした作品の方がこういった、観客席に近いスペースの舞台にはいいのかもしれないんだけれども、逆にこの距離が非常にインパクトがあるので何か違うものを作ろう。でも僕は先ほども言ったようにプラネットワンダーラーの準備もあったので、こういったコンセプト作りは今回 JR にお願いしました。J'ai parlé beaucoup et en fait, bien bravo parce que j'avais dit beaucoup de choses. On pourra en parler un peu plus en détail, mais en fait, quand on a travaillé pendant 6 semaines à l'Opéra de Paris avec des clusters, on va se dire, de travail, les danseurs ne pouvaient pas, normalement à l'Opéra, il y a toujours, les danseurs travaillent sur 2 pièces à la fois au moins. Là, on a eu la chance, d'une certaine manière, de pouvoir les avoir 6 heures par jour parce qu'ils ne pouvaient pas travailler sur d'autres projets. Donc, ça a été un vrai travail de transformation, on va dire. Mais en plus, il y avait quand même tout le temps l'épée. On se faisait tester tous les lundis. L'épée que si un danseur... Il y avait des règles qui changeaient tout le temps. D'abord, si un danseur était contaminé, positif. Donc, parfois, il est arrivé pendant le processus qu'on est venu chercher un danseur pendant la répétition, parce qu'il avait testé positif. Je pense que c'est des choses qui arrivent un peu tout le temps. Sauf que dans un premier temps, les règles qui m'avaient été données, c'était que si on continuait à être masqué, on pouvait continuer à travailler pendant la semaine. Sauf qu'après, les règles ont changé rapidement et que si une personne était positive, toute la compagnie devait partir en isolation pour au moins 1 semaine. Avec pas du tout la possibilité de pouvoir reporter le spectacle. Ça restait 1 semaine en moins à chaque fois. Et tous les autres projets ont tous eu des semaines coupées, alors que c'est déjà pas énorme d'avoir 6 semaines pour faire un projet comme celui-là. Donc on était vraiment avec une épée de Damoclès sur la tête constamment, parce qu'on ne savait jamais si on n'allait pas à n'importe quel moment devoir être en isolation, éventuellement essayer de continuer à travailler de chez soi avec des appartements tout petits à Paris. Heureusement, en fait, on a été assez épargnés. C'est pour ça que sur la vidéo, en fait, vous voyez d'aucun danseur avec masque, parce que sur cette soirée qui a été présentée à la télévision, et donc Brislam, le film fait partie,
les autres films, deux autres films, en tout cas, on voit des danseurs avec des masques, parce qu'ils avaient été testés positifs pas très longtemps avant. Et en fait, je me rappelle qu'on avait mis énormément d'efforts, d'énergie pour être vraiment prêts. Et on était très contents de pouvoir se dire qu'on allait enfin retrouver le public et qu'on allait enfin et qu'on allait montrer ce spectacle. Et avec la montée des cas qui se passait au fur et à mesure qu'on le faisait, c'était la marée montante pendant qu'on le faisait. Et quand c'est arrivé en même temps que le moment où on nous a dit « bon, finalement, il n'y aura pas de public ». Donc, il y a eu deux possibilités. Alors, il y a eu une première possibilité, c'était un Facebook Live qui a été organisé, auquel j'ai refusé de faire partie. J'ai pris la responsabilité de m'extraire de la soirée parce que je n'avais pas envie, ni JR, que la pièce soit présentée sans une vraie traduction pour la caméra, pour la première fois. Et ensuite, dans la courant de la création, on l'a filmé en 2h30 avec une équipe de télévision de France 5 et Louise Narboni. Donc on a filmé le spectacle et après j'ai passé le mois de novembre ou décembre, je suis allé plusieurs fois à Paris pour éditer le film avec elle qui était et en fait l'idée c'était vraiment que d'essayer de traduire l'expérience de ce que la pièce était. J'ai déjà un peu travaillé sur le cinéma, donc j'ai quand même je pense avoir développé un œil sur comment adopter le mouvement, comment changer les angles, comment chorégraphier pour ce médium. Et en fait, bon là, il s'agissait plus, c'est le plus du format d'une captation, mais j'ai pu en fait quand même y mettre beaucoup d'avis et de touches sur comment traduire la pièce pour une expérience télévisuelle à la base. Et puis après, comme ça s'est passé maintenant à Kyoto, de pouvoir projeter le film et de pouvoir le partager au-delà des frontières et des restrictions. Donc, j'étais très heureux de la collaboration avec Louise parce que je trouve qu'elle a vraiment approché la pièce d'une manière très sensible et puis en étant très à l'écoute aussi de ce que soit le JR, soit moi lui proposions. Et puis, donc, on a fait ça ensemble, qui était pour moi déjà quelque chose de mieux qu'un streaming. En fait, je ne suis pas très fan des streamings en général. Je ne sais pas qui l'est, mais je trouve que j'aime l'idée qu'il y ait une vraie traduction pour la caméra. Et c'est pour ça que voilà, quand je suis venu, j'ai réussi à rentrer au Japon en janvier-février et que j'ai montré le film à Louise et Yuzuke. Je pense qu'ils ont trouvé une vraie coïncidence avec le thème de cette année. Moi, je dois dire que j'étais à Tokyo il y a 10 ans pendant le tremblement de terre et d'avoir vécu en fait tout ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi avec vous au Japon. Enfin, ça a été une expérience qui m'a marqué à vie et qui a changé mon rapport au monde. Donc, pour moi, le fait que 10 ans plus tard, ce film soit montré dans une exposition qui marque l'anniversaire d'un événement aussi traumatique et aussi intense, qui a été quelque chose qui a été aussi qui a fait partie de l'exploration de tout ce que j'ai pu faire aussi, soit avec Corey, soit avec Gilles Delmas dans le film de Ferryman, fait du sens pour moi parce que c'est une pièce qui s'appelle Brise l'âme et qui décrit des vagues, mais les vagues, en fait, c'est un mouvement qu'on retrouve, c'est un mouvement premier de cette terre. C'est quelque chose qui, pour moi, on fonctionne par vagues, même dans nos respirations, c'est le cas. Mais cette pandémie nous a traduit ça, quelque chose d'invisible, mais qui crée des vagues auxquelles on s'accroche à ce qu'on peut en essayant de s'adapter. Ensuite, il y a bien sûr le pouvoir de la mer et aussi toutes ces tragédies qui se passent au port de l'Europe à un niveau quotidien, qui était quelque chose dont on voulait vraiment parler avec JR aussi. Et puis il y a plein de métaphores en fait. Il y a aussi en effet la mer dans ce qu'elle est vraiment et dans son pouvoir dévastateur qui fait aussi référence à un tremblement de terre à un moment donné dans la pièce.
Et en fait, on a présenté finalement cette pièce pour la première fois devant un public dans un Garnier rempli le 24 septembre à l'ouverture du gala de la saison. Et ça a été extrêmement émouvant parce que c'est-à-dire ça se faisait en même temps que Kyotographie. De pouvoir voir comment un public prenait le spectacle, même si encore une fois il était adapté à la grande scène cette fois-ci, donc avec la distance dont je vous ai parlé, et que j'aimerais encore voir cette pièce jouée dans le contexte d'une vraie proximité. J'espère que ça se passera un jour. Voilà. J'ai parlé beaucoup encore. 作品の準備の詳細についてお話ししたいんですが、まず実際に準備に当たった期間はおよそ6週間くらいでした。その間にもフランス・パリでは数々のクラスターが起こって、で、普段でしたらオペラ座っていうのは非常に中で準備に時間をたくさん使うっていうのは難しい場所なんです。1日に2本舞台がありますし、しかし今回では1日に6時間も準備の時間を得ることができました。これは非常にラッキーだったことです。しかし、やはり問題なのは、演者の中から陽性者が出てしまうことです。例えば、月曜日に陽性だと分かったダンサーがいた場合、最初、リハーサルの最初の頃は、そのダンサーだけ外したらいい。あるいは、リハーサルの間も演者のみんなにはマスクをして我慢してもらう。そういった対処をしていたんですが、コロナ対策の基準がコロコロと変わって、ある時から、もし、チームの中で一人でも陽性者が出たら、一週間は活動禁止という非常に厳しい規則に変わってしまいました。しかし、本番まで時間もない中、演技ができないとか、一週間失われる、そういうことはもう本当に無理な話でした。なので、限られた時間と状況でコンスタントに進めなければいけませんでした。実際、ダンサーはパリの狭いアパートに住んでいますが、その狭い部屋で家で練習してもらわないといけないし、テレビでも放送されたんですが、マスクをしている、僕のチームのダンサーが、マスクをしながら練習をしています。こういった陽性者が出たらどうしようなんていう心配と戦いながら、しかし努力、そのための努力やエネルギーっていうのは僕たちは非常に、大きなものがあったと思います。そしてようやく、ああ、これでやった観客の前で上演できるぞ。僕たちの作品を見てもらえるぞ。というタイミングになったとき、悲しい決定が下ったのは、結局は無観客上映になってしまうということでした。まるでこの作品のように、満潮の波が一気に干潮まで下がってしまったような感覚でした。で、そこで、私たちの前に、突きつけられたチョイスは2つあって、まずは Facebook ライブにしようかっていうことだったんですが、これは実際僕は非常に嫌でした。一緒のパートナーの JR も嫌だったようです。ということで、もう一つの選択肢として、フランス、3区、フランス5というテレビ局の放送で、放送してもらうことだったんですが、ルイーズ・ナルボーニさんの協力を得て、およそ2時間半の、作品、を撮影をしました。で、彼女と一緒にその後も11月や12月にかけて、この映像を作るために長い間一緒に仕事をしたんですが、私は映画作りも経験したので、どういう角度で撮影したらいいかとか、どういうふうに撮ったら、この舞台芸術を映像作品に変えられるか、そういうのもある程度経験したと思うんですね。なので、ルイーズと一緒にそういったところをいかに忠実に表現できるかということも非常に話し合いました。こうしてこの作品が京都で国境ですとか、このコロナのあらゆる社会的制限を超えたところで今上映してもらえたというのは非常に僕にとっては嬉しいことです。こういう、いろんな詳細にわたる話をルイーズとも JR とももういろんな感覚的な話までしたんですが、僕は実はストリーミング的なことは実は好きではなかったんですけれども、実は私10年前、日本の東日本大震災があった時は東京にいたんですね。で、この大震災というのは多くの人の生命が失われ、かつ世界がガラッと変わってしまうような非常に大きな出来事でした。それから10年後、私はこの1、2月に一度日本に来たんですけれども、こういった10年前の非常に大きなトラウマを抱えるような出来事があった日本で、このブリーズラームがこの10年の節目に上映してもらえるというのは非常に名誉なことです。
特にこの作品の中ではまず波をテーマにしていて、波っていうのは大昔からある非常に原始的な現象なんですが、しかし同時に人間にある種のインスピレーションを与えてくれるものでもあります。そういったところをダンサーの仕草、振り付け、所作、表現なので表現したいと思いました。また海の力というのは非常に大きく、あるいはある時は津波のような悲劇的な被害ももたらします。実際私の住むヨーロッパでも、沿岸地域に住む人は、よく、海の力に非常に大きな被害を受けています。こういったある種メタファー的な隠喩表現をこの作品の中で地震や津波の被害に遭われた方々のことも考えながら、表していきたいと思いました。そして9月24日にこの、作品の、柄があったんですけれども、そこでいろいろ話していたんですが、今回は、小さな舞台の上で表現するという作品で作りましたが、将来にわたっては大舞台で大きな舞台で上演したいね、あるいはその時にはもともとは近いクロースディスタンスで作ろうと思って作った作品なんですが、その時には観客とのも距離も大きくなるけれども、実際にそういった機会も将来的にはあったらいいねというふうに考えております。実はこのインタビューにあたって僕も相当な、何本かの質問を用意してたんですけれども、ダミアンさんがほとんどその質問に答えてくれた感じがします。En fait, j'ai préparé beaucoup, beaucoup de questions pour cette interview, mais en fait, Damien a presque quasiment tout répondu. Mais bon, いくつかまだあるんですけれども、この作品、映像、事前に見ていてですね、それから調べていたときに、オペラ座のウェブサイトで、この作品に参加している2人のダンサーが対談している、その映像を見つけました。Mais il me reste encore quelques questions. En fait, je me suis renseigné et j'ai trouvé en fait une interview de deux danseurs de l'opéra concernant cette pièce. De その中でダンサーのタケル・コストさんという方が、特にこの作品の冒頭でですね、瞑想を始めるように、膝をつくと、このシーンですね。で、そして道場に行って座禅を組むみたいだっていうことを述べておっしゃっていたんですよ。で、ジャラさんの作品、私の全部ではないですが、これまで見た中で言うと、宗教性ですとか祈りといったものが、先ほど、説明にあったような、波や、今回の作品では波ですけれども、いろいろな自然と一緒に表されていることが多いと思います。でも、特にこの作品では、その祈りですとか宗教性が強いように感じられたんですね。で、ここにはさっき東日本大震災への言及がありましたけれども、そういったことから特別な思いを込めたということなんでしょうか。Dans cette conversation entre les deux danseurs, le quadrille mâle qui s'appelle Taquel Coste sur le site de l'Opéra de Paris, il a déclaré on commence sur des fréquences très basses et on commence à genoux et comme une sorte de méditation dans un dojo. Et votre œuvre a souvent un sens religieux et de prière. Et vous parlez de la tremble mentaire de Tohoku aussi. Et dans cette pièce, vous exprimez aussi les vagues et la nature. Et vous utilisez souvent les sujets de la nature et les vagues. Et surtout, particulièrement dans ce Breeze Ram, vous utilisez les vagues. Est-ce intentionnel? で、さらに付け加えると、中野幸喜さん、先ほどお話がありましたけれども、この作品に素晴らしい音楽をつけた作曲家ですね。で、中野幸喜さんの音楽家は私には非常に印象的で、冒頭からほとんど最後に至るまで、繰り返される音があります。ちょっと聞けますかね。でこれもとても素晴らしいなと思ったんですけれども、さっき中野さんと仕事をするきっかけというのは長野浩平さんに紹介されたことだっておっしゃってましたけれども、中野浩喜さんには具体的に何かダミアンさんから指示をされたんでしょうか。ここですね。Et je voudrais ajouter que vous avez demandé la musique à Koki Nakano, le pianiste japonais.
Et du début à la fin, on peut entendre ce son qui est maintenant diffusé, qui est très impressionnant. Et est-ce que comment vous avez qu'est-ce que vous avez demandé à ce pianiste japonais pour cette pièce? En fait, avec Koki, ça a été c'était intéressant parce qu'en général, quand je travaille avec des musiciens, je travaille beaucoup avec des gens comme Fenez. J'ai fait Vessel avec et Omphalos avec Marihiko Hara et Ryuichi, avec la participation de Ryuichi Sakamoto. J'aime bien, enfin, j'ai travaillé avec des gens comme Luskill, avec Ben Frost. Et en fait, je travaille beaucoup avec des musiciens électroacoustiques qui travaillent sur différentes couches de son. Et en fait, peut-être parce que j'ai demandé à Koki, je me suis dit pour la première fois, je vais travailler avec un musicien live. Et du coup, j'avais déjà eu mon expérience de travailler sur un de ces morceaux, Train-Train, où j'étais assez fasciné par les ruptures de rythme que j'avais analysées. Et que j'avais déconstruit le rythme pour après reconstruire avec Emilios une partition qui trouve les mêmes ruptures. Et en fait, je m'attendais un peu à développer un peu un travail comme ça avec lui. J'avais demandé, bon, j'avais parlé de La Mer de Debussy, qui était un morceau qui avait déjà été inspiré par la vague de Kusai. Et je me disais que c'était. J'aimais bien cette référence-là, mais après j'étais plus dans un truc de musique minimaliste. Donc j'avais envie que ce soit plus la répétition d'un thème et d'une déconstruction de quelque chose, comme la répétition d'une vague. Et en fait, il m'a envoyé ses premiers essais, et en fait, il y avait quelque chose qui était pour moi un peu forcé. J'arrivais pas à me connecter ou à imaginer pouvoir créer vraiment là-dessus. Et en fait, à un moment donné, donc il est venu, puis je trouvais que c'était, en fait, on était dans un rapport qui était trop connecté. En fait, la musique et le mouvement étaient trop la description l'un de l'autre. Donc il était venu en studio pour commencer à jouer avec le piano, et il y avait quelque chose, je me dis peut-être qu'il faut qu'on cherche ailleurs. Et en fait, il est venu avec, il est venu en fait parce, avec des choses qu'il a composées sur son ordinateur, avec la musique électroacoustique. Et je dis là, mais tu fais ça? Donc j'étais très, très surpris. Au fait, il y avait aussi quelque chose dans la manière dont on avait commencé à travailler. On travaillait avec un métronome, constamment. Donc avec un métronome très, très sec, clac, 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 clac. Il fallait qu'on trouve la bonne fréquence, le bon BPM. Et donc avec les danseurs, c'était non seulement un métronome, mais le sol est quadrillé aussi. Donc c'est à la fois le temps est marqué, mais l'espace aussi. Et c'était une manière pour moi de pouvoir gérer toutes ces structures et être à l'intérieur de quelque chose aussi carré, de pouvoir amener des mouvements extrêmement fluides, mais que pour eux puissent être dans la continuation d'un mouvement l'un de l'autre, il fallait qu'ils n'arrêtent pas de compter, en fait. Vous me dites si je peux continuer à parler, parce que sinon je peux partir pendant des heures comme ça avant de vous interrompre. Donc, ça va ou vous voulez traduire maintenant? まず後期は非常に面白い人だと僕は思っています。まあ実際、ベセルぐらいの時から私はいろんなミュージシャンと活動してきました。原まりひこさんですとか、坂本龍一さんなんかが有名な人です。で、今回この後期にまずこのお願いしたのは、実際、ライブパフォーマンスだから生の音楽を作ってほしいということをお願いしました。で、実際この、ブリーズラームの中では、非常に断片的なボンボンという音楽が、断片があるんだけれども、しかし絶えず流れ続けています。この、ある音楽を一旦バラバラに壊してしまって、しかしまた繋げ直すという、その断片の再生ともいう作業を、彼は非常にうまくしてくれたと思います。実際、波に関してインスピレーションを受けた作品っていうのは、数々あるんですが、僕は実際、ちょっとミニマリスト的な人間で、なるべく最小限のものを使って非常に最大効果を上げたい。その中で、この波の音の繰り返しのような音楽、これが非常に効果があったと思います。
でも実際、彼が最初のトライアル作品を僕にくれたとき、正直最初はイメージが湧かなかったんですね。だけれども、ある時彼がスタジオに来てくれて、演者の動きを見ながらピアノを弾き始めたんです。あるいは彼はパソコンを出して、彼は、エレクトロアコースティックというパソコンでも音楽を作るんですが、実際僕はそれを見た時、彼に、君こういうふうに音楽作ってるの？なんてちょっと驚いて聞いてしまいました。まあ、私の仕事でもメトロノームは実際使うんですが、そのカチカチカチという非常に正しいリズム、そして彼が実際にこの作品の中で選んでくれた、ある種の心に響く波のような音程、これも彼の非常に想像力を膨らませてくれる音楽。このダンスという表現は、ある意味流動的な表現で、しかしここに絶えず一定の音程とリズムで流れ続ける、ある種、かっちりとしたものが後ろから支えてくれることによって、この作品が奥行きを深めてくれたと思います。もう一つ、コラボレーションについて、先ほどね、すでにダミアさん話してくれてますけれども、JR とのコラボレーションについて、もう少しだけ伺いたいと思います。私のイメージですと、JR というアーティストは、ストリート出身の方で、それから活動の幅をどんどん広げていますけれども、印象としては、都市や、あるいは人々が対象になっていることが多かったように思います。で、ダミアンさんは数々の作品の中で、まあ、山や火や、まあ、今回水ですとかね、森ですとか、生命、そういったテーマをずっと扱ってますけれども、最初、率直に言うと、ちょっとミスマッチというか、なんで JR とやるんだろうと思ったんですね。ところが、まあ、実際に見てみると、まあ、コスチュームも非常に、ダンサーの身体性を際立たせるというのかな。あまり、コスチューム自体が主張していないもので、で、映像も非常に端正に、仕上がっている。で、先ほど、ダミアンさんは、プラネットと並行して作っていたので、JR さんに、かなりコンセプト作りを委ねたっておっしゃいましたけど、絶対そんなことないと思ってるんですけれども、具体的に何か、クリエーションの最中で、印象に残っている、記憶に残っているエピソードなどがあれば教えてください。Oui, et dans cette pièce, vous avez collaboré avec JR. Mais lui, il travaille plutôt sur les sujets de street, c'est-à-dire sur les villes ou sur les peuples. Alors que vous traitez des sujets liés à la nature, tels que le feu et les montagnes, etc. Donc, quand j'ai regardé pour la première fois votre pièce cette fois, pourquoi avec JR? C'est cette question que je me suis posée. Et surtout, les costumes sont simples, mais finalement, ça donne un très résultat extraordinaire sur l'ensemble de l'image. Par contre, au niveau du concept, vous avez travaillé avec lui, JR, et dites-nous comment et pourquoi vous êtes venu à collaborer avec JR et ce que vous lui avez demandé. Oui, je lui ai demandé, quand on m'a fait la proposition de travailler pour l'opéra, comme je disais juste avant, je sais qu'il avait déjà collaboré avec des compagnies, avec l'Opéra de Paris, avec le New York City Ballet. C'est venu comment? C'est venu parce qu'en fait, j'avais envie, et c'est quelque chose que lui fait beaucoup, il change la perspective sur les choses constamment. Il crée des. Il questionne le point de vue de où est-ce qu'on regarde. Et qu'une chose peut paraître une chose d'une certaine manière, mais si on se place là, quelque chose va être révélé. Et c'est une manière de voir le monde que j'aime beaucoup, parce qu'en général, on voit les choses à travers un seul point de vue, et surtout aussi maintenant avec toute cette réalité de zoom, de machin, on est tout le temps, on voit les choses à partir d'un point de vue particulier, tout est traduit à travers une fenêtre. Et lui, je trouve qu'il re-questionne énormément ça, puis il re-questionne la place de l'individu dans le monde et parfois dans la masse aussi. Moi, je parle là de l'installation qu'il avait fait à New York où il avait photographié un migrant qui marche mais qu'il avait imprimé sur le sol et que c'est seulement quand les gens continuent à marcher dessus mais quand on voit
d'un point de vue, on voit quelqu'un d'énorme. En fait, c'est le changement de la taille de quelqu'un qui est pris dans la masse, tout d'un coup, qui devient un géant, en fait. Je trouve ça magnifique. Et en fait, j'aime aussi beaucoup l'idée que... Enfin, j'avais été très frappé par ce qu'il avait fait, en particulier avec le New York City Ballet, où tous les danseurs se mettaient en ligne et une paire d'yeux apparaissait. Et j'avais envie, avec ce spectacle, de je pensais à une ligne, donc, et je me disais que ça pouvait être assez beau que quelque chose soit révélé au fur et à mesure du spectacle. Il y avait comme une énigme, quelque chose qui ne pouvait être résolu qu'à la fin. Et justement, qui pouvait peut-être être finalement fait de manière en effet assez simple, mais qui, en changeant de point de vue et en créant une image d'unité, tout d'un coup, quelque chose de plus grand pouvait être révélé. Et j'aime aussi beaucoup sa conscience du monde et le fait qu'il va dans des endroits qui sont géopolitiquement complexes ou qu'il fasse des choses avec... qui fasse un zoom sur des choses qui paraissent, qui pourraient presque être invisibles, mais qui rend visible l'invisible aussi à sa manière. Et c'est quelque chose que je fais aussi, j'essaie de faire dans le travail que je fais à ma manière. Et voilà, parce que justement, si on travaillait pour eux au monde et qui nous fait réfléchir aussi sur des situations compliquées. Et j'avais envie qu'il y avait un élément de ça qui soit amené dans ce spectacle et qui est un peu à la frontière entre plusieurs choses, comme je disais tout à l'heure, qui pourrait suggérer plusieurs choses. Je suis très d'une manière assez quotidienne. Je trouve que l'Europe a beaucoup de fantômes et qu'il y en a un qui se déroule tous les jours en Méditerranée, qui est de plus en plus problématique. J'avais envie aussi d'amener ce topic-là d'une certaine manière aussi dans ce spectacle, même si ce n'est pas un spectacle qui est là-dessus non plus, mais qui d'une certaine manière, amène la question d'empathie. Vu que c'est une pièce qui parle de l'expérience de la vague aussi, de rendre hommage à ceux qui le vivent. Il y a plein de choses que j'avais vraiment envie que la pièce se transforme constamment et que ça prenne un autre point de vue au fur et à mesure de son développement. C'est une pièce qui est assez intense à faire pour les danseurs parce qu'ils ne quittent jamais le plateau. Le plateau est assez restreint et il y a quelque chose qui leur demande une concentration très très forte, d'endurance presque, qui se dévoile au fur et à mesure et qui les met, eux, dans un certain état. Je trouvais qu'il y avait un peu cette idée de situation de secours, d'appeler au secours, un peu même avec la manière des arts de la scène, avec une société, enfin, quelque chose qui est en train d'échouer presque. Et j'avais vraiment envie d'amener cet élément-là dans le spectacle. Donc on a discuté de plusieurs topics, de comment amener ça quelle image créer sur la fin. L'idée du zodiaque nous est venue assez rapidement et c'était en effet comment à 9 danseurs recréer cette idée que ce zodiaque soit imprimé sur eux et qu'au fur et à mesure, donc à la fin du spectacle, ils se placeraient d'une certaine manière et que ça devienne presque une idée de protection, de quelque chose de sauvetage, mais aussi que même si c'est très compliqué, même si on est très isolé, il y avait cette idée de se mettre ensemble et notre seule chance de survie, en fait, aussi. Et donc, j'avais vraiment envie d'amener cette image, alors qu'ils sont, en fait, pendant toute la pièce, séparés les uns des autres. Pour moi, c'est un peu comme des fantômes aussi, qui apparaissent au fur et à mesure, qui reviennent et qui racontent une histoire, leur histoire. Et d'avoir, en effet, cette situation d'urgence et que ce soit leur agglomération d'une certaine manière qui crée comme un cocon, comme une qui questionne l'idée d'un sauvetage, mais qui en fait ouais, comme une forme d'alternative. Donc tout ça est venu assez progressivement et je voulais faire qu'on fasse venir un drone au début sur le plateau, qui était impossible de manière au niveau de la technique.
Et donc, on a juste travaillé sur une caméra en top shot au-dessus du plateau qui révèle cette dernière image qui pour moi, est un peu un radeau de la Méduse contemporain. Et qui, voilà, qui j'espère, amène tout ce qui s'est passé à un autre niveau, en fait, dans la pièce. まず彼に JR に最初この話をしたとき、僕はオペラ座でも仕事を経験したし、ニューヨークシティバレエでも、仕事を経験したし、いろんな話をしたんですが、実際にこの作品に取り組んでくれたことで、JR は彼の視点を非常に大きく変えてくれたと思います。最初は、まずどの視点からフォーカスして、どこを見たらいいのか、世界はどこにあって、我々はどこから見るべきなのか、その視点っていうのは一点から見るだけじゃダメだと思うんですね。実際には物事を見るっていうのは非常に難しくて、現実を私たち人間はただ一つの窓からしか捉えることが非常に普段は難しいんだけれども、集団の中に我々一人が個人として生きていて、例えばアメリカなんかで街中を移民の人が、アメリカなんかで彼 JR が、例えば移民の写真を街のあちこちに貼ったり、あるいは紛争のある地域で非常に大きく印字した写真を壁に貼ったりして、彼のメッセージを伝えている。そういった彼の作品を見たときに、ああ、彼と一緒に舞台の仕事ができたら非常に綺麗な、作品を生み出すことができるだろう。きっと彼は僕に対しても何か一つの謎を解き明かして開眼してくれるような、そんな結果をこの舞台芸術で見せてくれるかもしれない。そういうふうに思いました。結果的には非常にシンプルな作品になったと思うんですけれども、しかしこの作品の中に見る人の意識とか、今後のコロナ禍の世界を生きるための自覚みたいなものを考えてもらえるような作品になったんじゃないかと思います。世界中いろんな人がいる中で見えるもの、見えないもの、あるいは私たちが日々悩まされている境界線みたいなものがあります。そして日本にもあるように、ここヨーロッパにももちろん自然崇拝とか幽霊的なものというのは日常的にヨーロッパにも地中海地方にもいろいろ存在します。この作品で僕が見せたかったのは海へ対するオマージュ。そしてコンスタントに、ダンサーの演技を通してコンスタントに視点を変えていく。そういった今まで旧来あったような舞台から離れる、そういった作品を作りたいと思いました。やはり第一線で活躍しているような救助に当たっている人間の人たちのことも考えて、この舞台を作りたいと思いました。最後に、ダンサーたちが一つの船を作り上げますが、これは現在第一線で働いている人たちのことを思ったような救助だとか、漂流した人、そういったイメージも表せたらいいなと思い、こういったいろんなトピックを実際 JR とたくさん相談したんですね。そしてそのうちのアイデアの一つとして、最後にダンサーたちで星座を完成させようと思いました。このことが実際 JR が衣装としてグレーの非常にシンプルな、衣装を提案してくれて、これに、照明を当てて、一番最後に船という星座をダンサーたちの体で、表現する。そういう作品を作ることによって、私たち人はみんな一緒に生きている、寄り添って生きているんだということ。そして彼がこの舞台の天井からのショットを撮影してくれましたが、これを見るとまさに我々は現代に生きる、現代に漂うクラゲのような存在だ。そんなことにも気づかせてくれる結果となりました。実際、最後のシーンは本当に多義的というか、さまざまなメタファー、メッセージが込められていますよね。で、僕の印象では、最初に言ったように、ダミアンさんがやってきたことは自然ですとか生命、歴史とか、縦に流れる大きなテーマをこれまで扱ってきて、で、それに対するに JR さんは、ものすごく単純化した言い方ですけれども、同時代的、政治的、社会的なテーマをより多く扱っている。人のようにイメージしていました。でも実際に作品が仕上がってみると、その2人のいい点がもう足し算ではなくて掛け算になって、何倍にも何倍にも広がった、個別なテーマ、現代に個別なテーマ、特有のテーマとともに、本当にずっと、歴史を通じて、存在するような普遍的なテーマにも結びついている、そういう作品であるように、感じました。
Oui, donc finalement, cette pièce est vraiment une métaphore très, 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 très belle et extraordinaire. Vous, Damien, vous traitez plutôt des sujets comme la nature et l'âme, alors que JR, il préfère plutôt les problèmes ou les sujets contemporains ou sociaux. Mais finalement, votre mariage donne, c'est plutôt. Et ce n'est pas une addition, mais c'est une grande multiplication. C'est-à-dire, votre confrontation a fini par créer une grande énergie et un sujet très universel. Merci, Eliane. でも、それで、もう一つコラボレーションについて、もう少し詳しく伺いたいんですが、それは、ダミアンさんが先ほどご紹介されていた、長年にわたってパートナーで一緒に仕事をしている、エミリオス・アラポグルーさんのことです。で、先ほどのお話ですと、ダミアンさんは2人で、まあ、振り付けを一緒に作ってるって言い方をされたんですけれども、私の印象、これも少しだけ違ったんですね。というのは、ダミアンさんも素晴らしいダンサーですし、エミオスさんも素晴らしいダンサーだと思います。まずご自分の体がすごい。ただ、タイプが違う。そして、エミオスさんは本当に優れた身体能力と柔らかい筋力を持って、ちょっと普通では想像できないような様々なポーズ、形を作ったり、動きを作ったりする。で、それをダミアンさんが、まあ、そうですね、詩や小説に例えると、まあ、語彙にあたるものをエミリオスさんが作って、それを、まあ、パラグラフというんですかね、文章を作ったり、それをまとめていくのがダミアンさんではないかという印象を持ったんですが、このあたり2人のコラボレーションは実際にはどういう形をとってやられているんでしょう。Une autre question sur la collaboration. Vous, Damien, vous travaillez en étroite collaboration avec Emilios. Tout d'abord, vous êtes tous les deux danseurs extraordinaires, mais le genre de danse soit peut-être différent entre vous. Et surtout, Emilios, il dispose d'une capacité extraordinaire comme le pouvoir physique, la force, les muscles, etc. Et votre partenariat avec Emilios Alapoglu semble être très important dans votre œuvre. Si l'on compare vos chorégraphies à des poèmes ou des romans, les mouvements uniques créés par Monsieur Alapoglu sont-ils assimilés à des mots ou bien Monsieur Alapoglu est-il impliqué dans la composition ou la création du scénario de ses œuvres? でそっちはダミアン、アラポグルじゃなくて。単語が、エミリオスで、それをまとめるのがダミアン。そう言ってもらいました。あ、そうですね。大丈夫ですよ。すいません。先生、ケーションのケース、だから。Généralement, je viens vraiment à chaque fois, je développe un concept et une idée très spécifique pour chaque projet. Et quand je travaille avec Emilios, ça reste une collaboration dans le sens où c'est je lui demande de réagir à ses idées et de les approprier et de voir ce que c'est et de le laisser s'inspirer par ce qu'on recherche. Et après, tout est fait sous une énorme guidance, c'est-à-dire je le laisse pas juste improviser, je dis c'est bon, c'est ça qu'on fait, ça reste quelque chose qu'on écrit ensemble, de dire ok, ce bras vient à ce moment-là, là, sur le 8, on ralentissons ça, est-ce qu'on peut encore pousser? Et naturellement, il vient avec des propositions magnifiques, parce que c'est un danseur avec une énorme organicité. Je pense qu'aussi, avec Emilio, ce qui est important de dire, c'est qu'il a dansé pratiquement toutes mes pièces les plus importantes. Il m'a aidé à créer Through, il a dansé Skid, il a fait Vessel, maintenant il a dansé Planet. Et à chaque fois, ces pièces, et il enseigne avec moi aussi, donc ces pièces sont transformatives, c'est-à-dire une pièce comme Skid, je pense que quand on pratique 2 mois ou 3 mois sur cette plateforme inclinée, ça change votre manière de danser et vous en comprenez des principes physique.
Et en fait, j'ai eu. En fait, c'est ça qui, pour moi, est assez beau, c'est que Emilios, dans sa danse, il a été déjà transformé par toutes les créations qu'on a pu faire. Et donc, c'était un transmetteur incroyable parce qu'il a un niveau de connaissance, de motricité, il sait exactement d'où le mouvement doit venir. Là, quand on a travaillé maintenant sur Planète avec les pieds enracinés dans le sol, ça crée des nouveaux principes, en fait. Et du coup, je pense que c'est la personne qui est vraiment le meilleur. Enfin, déjà, tous les mouvements sont sous ma guidance, bien sûr, mais ont été, viennent de son corps, viennent de sa physicalité. Je pense que c'est la seule pièce pour laquelle tout est vraiment centré sur un seul danseur. Quand on avait fait Bolero, il était déjà là, avec James O'Hara. Donc, c'était avec eux deux qu'on a travaillé et qui ont transmis. La plupart des mouvements aux danseurs. Et là, c'est juste lui. Donc, c'est vraiment une multiplication, on va dire, de sa physicalité, des mouvements que j'ai sculptés avec lui et que lui transmet, en fait, après, avec 9 danseurs. Donc, je dirais que c'est encore plus complexe de dire que c'est des mots et des phrases. Disons qu'il vient avec des. C'est une conversation. Et ça reste. Ça reste comme un peu une sculpture en mouvement. C'est lui, il est pas non plus juste dans l'exécution. Il est aussi dans une forme. Il propose. À partir de ses propositions, je sculpte. Et donc c'est comme ça que où j'écris. Et c'est comme ça qu'on a et on clarifie. On met ça. On trouve les comptes. On trouve les suspensions. On se dit que parfois un mouvement peut être fait de 50 000 manières différentes, mais que essayer de le ralentir à un moment donné pour le réaccélérer à un autre moment créera d'autres dynamiques. はい。まず、僕は、まあ、仕事として非常に特別なコンセプトから作り上げる人だと思っているんですね。その非常に難しい、ところを彼に伝えて、そして僕はまず彼の中から生じるインスピレーションに、なすままに、まず彼に、解釈してもらおうと思っています。でも、もちろん、ある一定の時が来たら、その彼のアドリブのままにしないで、あ、ここはこういうつもりなんだというふうに僕の意図を伝えて、一緒にシナリオを書くような感覚で仕事をしています。ここはちょっとゆっくりしよう。ここはちょっとテンポを早めよう。そんなふうな仕事の作り方をスルーやプラネット毎回の作品を通してしてきました。で、スキッドという作品においては、今までと全く違う舞台の作り方をしている作品なんですが、この舞台は非常にダンスにも肉体的にも非常にかなりきつい影響を与えるよというふうな非常に今までにない舞台の作り方だったんですけれども、こういう困難な状況においても、エミリオスのダンスというのは非常に僕のアイディアを忠実に正確に、変換してくれる、ある意味トランスミッターとして素晴らしい能力を持った、もう僕の仕事のベストな人だと思っています。まあ、ボレロの時から別にジェームズ・オハラというもう一人の人がいたんですけれども、今では、こういった、まあ、自分のアイデアを解釈してくれるっていう人は、エミリオスだけになっています。彼は体のあらゆる部分を使って、言葉では、他の演者に伝えるのは非常に難しい部分まで体を使って正確に、自分の体を動かして表現してくれます。こういうふうに彼と共同で、自分たちの作品を作ることによって、ある種自分たちがたどるべき道を一つ一つ明らかにしていく。その中で、いかに作品にダイナミックな性格を与えることができるか、そんな作業をしていると思っています。今お話に出てきたスキットっていうのはね、こんなものすごく斜めになったステージの上で、ものすごくダンサーに負荷がかかるパフォーマンス、作品でしたけれども、今回のブリーズラーム、先ほど説明がありましたけれども、非常にこの作品はダミアさんの作品の中でも、どうでしょうね、すごく、とってもダミアさんらしい空間把握の一つのいい例だと思ったんですね。というのは、まず非常に正面性というものがある。で、対称性もあって、これは勝手にですね、もしかしたらダミアンさんは、
東洋の芸術も非常に造詣が深いので、中国や日本の美術作品なんかにおける正面性とか、そういうのを意識して作られたんじゃないかと思ってたんですね。で、先ほどお話を伺いますと、まあ、そもそも、鈍調の前で作るという物理的な制約があった。だからこそ、むしろそれがどんどんどんどん、凝縮されていい形になったんじゃないかと思います。で、そういう意味で、なんでしょうね、ダミアンさんが、東洋的なものから、何か、造形面において、あるいはダンスを作るときにおいて、影響を受けることというのは、多いんでしょうか。思想ですとかね、宗教、そういったことから内容面について影響を受けていることは、もう作品を見てれば明らかですけれども、逆にフォーム、形式面においても、そういうことは意識されてますか？対象っておっしゃいましたけれども、左右対象ってことですか？左右対象です。そうそうそう。Oui, en fait, on parlait justement de ce kit. Et dans cette pièce, en fait, le plateau est incliné et c'est une condition assez dure pour les danseurs qui évoluent sur le plateau. Et en fait, pour cette pièce, Brise l'âme, et vous donnez finalement un résultat très, très extraordinaire au niveau de l'espace. Et par exemple, dans vos pièces, je trouve que votre frontalité ainsi que les aspects symétriques sont extraordinaires. Évidemment, dans cette pièce Brise-l'âme, vous avez eu une condition très, très difficile de réaliser quelque chose devant le rideau de fer, devant l'avant-scène de l'opéra. Et est-ce que, Damien, est-ce que vous sentez ou vous recevez parfois des effets occidentaux ou surtout au niveau de la forme ou au niveau de la création, est-ce que vous recevez parfois des influences occidentaux quand vous créez votre effet de pays occidental pour créer votre création? La connexion était très mauvaise, les mots étaient interrompus. Donc, si je pouvais. Non, mais Oriento. Si vous pouvez juste répéter la question. Ah, question. Est-ce que vous avez parfois les influences ou les effets de pays oriental quand vous créez votre création? Des influences japonaises, il y en a des centaines dans mon travail, ça je pense, parce que je pense que le fait d'avoir passé autant de temps au Japon et de travailler avec, avec des gens comme Corey ou en fait est énormément inspiré et influencé quand je dois dire que pour le travail sur la symétrie ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est sur la géométrie en particulier, c'est quelque chose qui m'intéresse dans l'anatomie des corps, dans l'idée de que un corps est en fait que tous les corps sont connectés, qui deviennent comme un seul organisme d'une certaine manière. C'est des choses qui sont vraiment développées d'un spectacle à un autre et où j'essaye de trouver. Mais pour moi, à chaque fois, un spectacle est comme toujours il y a toujours une forme de réinvention de quelque chose. J'essaie de développer un mouvement, un vocabulaire qui est vraiment particulier à l'idée qu'on a décidé de développer. Donc, qui serait vraiment quelque chose qui découle d'une matrice presque conceptuelle. Et même si c'est une recherche très physique, ou une exploration physique, que ça devienne, que ce soit constamment que mon langage se réinvente à chaque contexte. Là, pour le coup, sur Brise-l'âme, j'avais pas vraiment un dispositif physique, à part le fait que le plateau est défini par cette photo dans laquelle les danseurs évoluent, qui est en fait un espace très petit pour 9 danseurs. Ils ont même pas un mètre entre chacun, en fait. Et je trouvais que c'était plus dans la composition mathématique, je dirais, qu'on a commencé dans la composition mathématique et géographique, on va dire, sur ce plateau, que c'était cette coïncidence entre les deux et à quel point la musique interfère et devient en fait comme une substance physique
dans lequel les danseurs évoluent. Donc cette idée d'immersion, enfin, j'adore ce que dit par exemple Claude Lévi-Strauss sur la différence entre le monde, l'Est et l'Ouest, en tout cas surtout l'Occident et le Japon en particulier, c'est le fait que en Europe, on a une tendance de tout faire partie de soi et que c'est un mouvement expansif. Il parle de centrifuge et centripète. L'idée on commence de soi et ça se développe, alors que j'ai l'impression que toujours quand on est au Japon, le fait qu'on met son nom de famille après, enfin son prénom après le nom de famille, il y a quelque chose où on met un masque pour protéger les autres, pas pour se protéger soi des autres. Ça, c'est des choses qui font toujours énormément de sens pour moi et qui. Et je pense que j'aime l'idée de faire exister chaque danseur de manière extrêmement précise. Dans cette pièce, Brise l'âme, elle devient de plus en plus singulière, on va dire. Il commence vraiment comme étant un élément, on va dire. Et au fur et à mesure de leur mouvement, ils se définissent, ils deviennent de plus en plus humains, jusqu'à être tellement humains qu'ils se prennent une vague en pleine figure. Et ce qu'on voit sur la fin, c'est leur manière de la leur expérience de ça, pour une expérience qui pour moi est is earned, on dit en anglais, est acquise par le fait qu'ils sont passés à travers tout ce rituel qui est cette pièce. Pour moi, une pièce est toujours un rituel. Je pense que j'aime ce qui se passe, enfin j'aime comme le Japon ritualise absolument énormément tout. Tout le début, c'est pour ça que j'étais assez surpris quand j'ai venu visiter Nijojo au mois de février et que je voyais ces mannequins sur les genoux partout dans le palais. Je me dis, ah, c'est parfait pour Brise l'âme parce qu'on commence les 10 premières minutes dans cette position. Et donc voilà, donc il y a quelque chose de tous ces éléments-là, bien sûr. Après, se mélange avec d'autres, se mélange avec ce avec quoi JR est arrivé, mais il y a. Je ne peux pas m'empêcher d'être constamment influencé par ces principes parce que c'est des choses qui sont fondamentaux pour moi, au travail que je développe, mais aussi à ma conception de la vie, à des choses où j'ai l'impression qu'on est... Tout le monde est extrêmement important. Par exemple, une pièce comme Brise l'âme, j'ai besoin d'absolument tout le monde. Parce que si une personne... Chaque personne a une partition différente, mais s'il manque une personne, c'est extrêmement clair que cette personne manque. Et ça peut être intéressant de parler de l'absence comme ça. Donc j'avais toujours très très peur avec cette pièce où chaque semaine on avait la menace que quelqu'un ne soit pas là. On avait juste une personne qui connaissait, qui était un peu extérieure et qui aurait pu sauter pour essayer d'apprendre le rôle. Mais ça reste extrêmement difficile d'apprendre une partition de 20 minutes en quelques heures pour comme bouée de sauvetage. Donc je trouvais que ça amenait une tension dans le spectacle qui, je pense, j'espère en tout cas, ressort quand on le voit, où chaque interprète est extrêmement important, mais en même temps, ils font tous partie de quelque chose qui les dépasse. Donc je ne sais pas si c'est occidental, oriental, ou si, comme manière de penser, mais pour moi, il y a quelque chose qui... Il y a définitivement, je sais, beaucoup de choses qui m'ont influencé pour faire ce spectacle, là-dessus, dans cette manière de concevoir les choses. まず僕はたくさん数々の仕事をしてきて、公平のような日本人アーティストとも仕事をしてきて、日本にも何回も何回も来てます。だから、まず僕の作品に合う中にある影響といえば、まず体、肉体がまず一つあると思うんですね。肉体っていうのは我々が持つ唯一の生命器官。それをもって表現をまず壊し、そこからさらに再構築していく。そういった考えやアイディアをマトリックス、母体となるところからいかに肉体を通して作り上げていくかっていうのが私の常なるテーマなんです。特にこのブリーズラームにおいては非常に狭いスペースで表現をしてもらわなければいけない。ダンサーたちの間はお互いに1メートルも間隔が離れていないんです。そういった場所的にも空間的にもある意味数学的にも非常に難しい表現の中でどうやってそれぞれの表現を解き合わせていくかっていうのが非常に大きな課題でした。で、西洋的なものか東洋的なものかっていうことを言われると、確かに私は日本が非常に好きですし、ある種の影響はあるかもしれません。しかし僕の作品の中心にあるのは、例えば先ほど申し上げた体にこととか、遠心力
を使って表現することであるとか、そういったところであって、日本に来て感銘を受けたことといえば、例えば、日本では名前と、下の名前と、名字が西洋とは逆の順番ですよね。あるいは日本人はいつもいつもマスクをつけていて、マスクをつけてないと他人に感染を移してしまうかもしれないから、マスクをつけることで人を守ることにつながるんだよとか、そういう非常に律儀な面から私はいつも関心をしています。こういったある意味律儀な几帳面なところっていうのは、この作品を作るにおいても非常に緻密にダンサーの動きを組み上げていくというところにある意味影響を受けているのかもしれません。で、この作品の中では最初はダンサーはそれぞれが異なる一つ一つの波の動きを表現しているのが徐々に大きなうねりとなり、波であったダンサーがある瞬間から人へ人へと徐々に表現を広げていきます。そのようにある物質だったものからそれぞれダンサーの個性が作品の後半に向けてどんどんと表現されていく、そういったダンサーそれぞれに自分の表現を通して自分の経験を表してほしいな、そういったところもこの作品にはこもっていると思います。日本に関して言えば、日本は非常に儀式、しきたり、習慣を重んじている国であって、僕はある意味その部分、日本の部分が好きです。2月に二条城を訪れて、二条城の中を見学して、マネキンがありますよね。あ、僕はこれを見て、あ、ここは僕の作品を展示してもらうのに非常にパーフェクトな場所だって感想を持ったんですが、僕の作品の中にあるのは、命というコンセプト。で、特にこのブリーズラームという作品を作るにあたって、もし陽性者がチームの中から出て、一人でもダンサーが欠けてしまったら、この作品はできない。ということで、毎週毎週準備を進めるにあたって、いつも非常に怖かったです。この20分の作品を作り上げて、最後は救命ブイを海の上に放り投げるように船が完成しますが、こういったところ、この非常に難しい状況の中で、そこが自分に表したかったことかなと思います。なので、日本は非常に好きだし、影響を受けてないとは言い切れませんが、それが東洋的なものか、西洋的なものかっていうのは、僕はちょっとわからない。ただ、いろんなものからたくさんの影響を受けていることは確かです。はい。ありがとうございました。もう時間がなくて、最後の質問というか、お願いをしたいと思います。ダミアさん、これまでのお話からみんな感じているかと思いますけれども、まあ、他のクリエイターの方々と同じように、パンデミックが始まってから大変なご苦労があったと思います。それは、物理的、身体的、心理的、精神的、全部の面で、でもそれを超えてこうやって今もクリエーションずっと続けていらっしゃる。で、そのダミアンさんからですね、これを聞いていらっしゃる方々に向けてでいいかな。我々日本ではもうすぐ緊急事態宣言があと何日かで数日で明けるんですけれども、おそらくその後もまた COVID の波がやってくると思います。その波を乗り越えるために、どんなことをしたらいいか、できるだけ短くお話しいただけますか。Ce programme touche bientôt à sa fin et donc c'est véritablement la dernière question. Et en fait, sous cette situation difficile de COVID, chaque artiste ou créateur trouve des situations très, très difficiles. Est-ce que vous avez dernièrement un mot ou un message simple pour les artistes qui continuent à créer avec enthousiasme malgré cette pandémie et situation difficile? Et les spectateurs aussi. Et les spectateurs de ce programme aussi. Keep the faith. Je suis moi-même constamment dans des, encore maintenant, aujourd'hui même, dans des énormes problématiques à essayer de résoudre, à des désistements, à des choses qui sont très compliquées à gérer. Je pense que c'est toute mon expérience de créer depuis 18-19 mois de cette pandémie ont été vraiment sur... comment continuer à faire les choses envers et contre tout, malgré tout.
et comment utiliser ces nouvelles limites aussi comme un autre endroit, quelque chose qui vous place à un endroit que vous n'auriez pas imaginé, et essayer de partir de là en fait, d'essayer de trouver dans ces limites quelque chose qui une nouvelle forme de liberté, même si elle continue à bouger tous les jours. Et je veux dire que Brislam est pas particulièrement un objet, ça n'aurait pas existé dans cette pièce dont je suis très que maintenant je peux même pas imaginer ne pas l'avoir fait. Et elle est venue de cette situation problématique. J'ai fait récemment une pièce avec Corey qui devait être une pièce mais qui est finie par un film. Et en fait, je crois que je préfère la forme du film pour cette exploration. Et là encore, c'est découlé de situations très complexes. Donc, en fait, si on se focus sur la complexité de la chose, on s'aperçoit qu'on a aussi une capacité de pouvoir rebondir. Et que dans certains cas, en tout cas, c'est possible, que ça reste extrêmement difficile émotionnellement et que c'est dur, mais qu'il y a toujours moyen, je pense, de trouver des choses d'utiliser ses limites comme point de départ et quelque chose qui peut découler sur quelque chose dont on est à la fin heureux que ce soit là. Voilà. Donc, c'est une question de persévérance et de foi et de. Et comme on est tous inclus dans cette situation, il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, dans cet effort collectif d'essayer de se réajuster constamment. Voilà.僕自身も今も複雑な状況の中で仕事をしていますが、まあ、経験上この18から19ヶ月もこのコロナの状況が続いているのは私も非常に深刻に受け止めています。で、こういった状況でどうアート活動を続けるかっていうのは非常に難しい問題で、この私たちの前を塞がっているこの壁の向こうにどうやって出発していくべきなのか、この新しい世界、新しい形の自由があるというこの世界をどう生きていかなきゃいけないか。それはある意味非常に難しい課題だと思っています。期せずして、このコロナの最中にブリーズラーム上演となったのも、まあ、公平などいろいろな方の協力を受けてですが、やはりこの困難な状況からいかにして立ち直り、前に進むかということ。それは感情的に考えても非常に難しいことですが、でも何か方法はあるはずなんです。そして最後には幸せになれるはずなんです。そういった絶えず同じ問いを繰り返し、でも我々一人一人はこの世界にみんな関連付けられている生き物です。その中で努力を忘れず、コンスタントに活動していく、それが大事なんではないでしょうか。ありがとうございました。時差の関係でダミアンさんにはとても早起きをさせてしまったんですけれども、非常に中身の濃い、そして情報量の多いお話が聞けたと思います。で、ブリーズラームの展示を含む京都グラフィーは明日日曜日まで、明日が最終日です。多分これをご覧になっている皆さんはすでに展示を見た方が多いんじゃないかと思いますが、もしまだの方がいらっしゃったら、ラストチャンスですので、明日頑張って二条城に行ってください。で、ダミアンさん、先ほどの話に出てきましたけれども、来年4月に、東京と京都で、話に何度も出てます、プラネットワンダラーの公演があります。ですから、その時に、改めて会えると思いますし、また、ブリーズラームもきっと日本で公演してくれるんじゃないかなというふうに期待しています。まあ、来年4月にまた会いましょう。Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Et cette discussion est vraiment profitable et très, très constructive pour comprendre vos pièces. Et je crois que parmi les spectateurs en ligne d'aujourd'hui, beaucoup de gens ont déjà vu sa pièce dans le château à Kyoto. Mais cet événement, Kyotographie, va bientôt toucher à son dernier jour, demain, dimanche. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore vu, je vous conseille d'aller jusqu'à demain. Et en même temps, Damien prévoit sa présentation de Planète Wandala à Tokyo et à Kyoto en avril prochain. Donc, c'est un grand plaisir. Et pourquoi pas peut-être au futur Brise-l'âme également. J'espère. En tout cas, j'ai hâte de revenir au Japon. Ça me manque beaucoup d'être là. Merci. そうなることを願います。僕も早く日本に行きたいです。ありがとうございました。ありがとう。またね。
Merci, Dorian. Merci. Bon. It did it. Well,